aujourd'hui, c'est un jour pour rendre hommage aux victimes du camp Boiro et votre réaction. C'est toujours des journées de tristesse pour nous. Nous sommes là parce que nous avons promis de toujours prier pour nos parents. Nous sommes là pour les réhabiliter encore une fois. Nous sommes là pour leur dire, pour dire au bourreau, plus jamais ça. Nous sommes là pour dire à nos parents que nous sommes là et que nous sommes fiers d'eux. Ils sont morts pour cette nation. Ils sont des héros et nous sommes fiers d'eux parce qu'aujourd'hui nous sommes des enfants bénis parce qu'ils ont prié pour nous. Ils ont saigné pour nous dans ce pays. C'est pour cette raison que nous sommes. Et surtout nous, nous sommes tristes quand même. Très, très, très tristes. Et nous savons qu'en Guinée, il y a eu beaucoup de victimes et un message de pardon pour construire la Guinée. Mais qui doit demander pardon à qui? Mais ce n'est pas nous, les victimes, qui devons demander pardon. Ceux qui doivent le faire, je les bourreaux. Pense que c'est le moment de le faire. Tout le temps, nous entendons parler de réconciliation, de paix. Mais ceux qui le disent, c'est eux qui doivent demander pardon. Pour le peuple. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Vous attendez à quoi? Ben, nous attendons toujours à la réhabilitation de nos parents. Nous ne nous arrêterons pas. Après nous, nos enfants vont continuer. Nous voulons que nos parents soient réhabilités, reconnus, parce qu'ils ont été des cadres dans ce pays. Ils se sont donnés. Et que représente pour vous le pont 8 novembre et le camp Boiro? C'est des lieux de tristesse. Nous allons toujours nous recueillir pour eux parce qu'on sait qu'il y a des fosses communes au camp Boiro et au 8 novembre, les pendaisons. Et si, par exemple, le gouvernement entreprend des démarches pour sanctionner les bourreaux, et est-ce qu'allez-vous pardonner? Mais bien sûr, nous sommes des croyants. S'ils entendent le pardon, ben nous allons pardonner. Nous n'attendons que ça. Parce que si on ne pardonne pas, ce n'est pas. Nous sommes des croyants. On ne s'attend plus à nos parents. Mais c'est la réhabilitation. La réhabilitation veut dire reconnaître, pardonner. C'est ce que nous voulons. Est-ce que vous avez un parent proche, famille des victimes? Ah ben oui, mon papa, il a fait le camion. C'est quoi son nom? Docteur Alphoma Gouin. Pendant combien de temps? Pendant 4 ans. Il est sorti vivant, mais les séquelles l'ont emporté. Quelque temps après, il est mort. Parce qu'il a été torturé. Et vous êtes vraiment une véritable leader d'opinion respectée en Guinée. Vous avez vraiment un message allant pour la réconciliation en Guinée au-delà des victimes. Ben, en Guinée, nous voulons nous réconcilier. En Guinée, nous voulons nous rassembler pour ce pays. Nous ne le faisons pas pour une personne ou pour un parti. Nous voulons nous rassembler pour que notre Guinée soit une Guinée comme nos voisins. C'est ce que nous voulons. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas des intérêts cachés ou des intérêts personnels. Nous voulons que tous les Guinéens soient réunis autour d'un idéal. Merci Adia. Une vedette se présente. Je suis Adia.